Allô? 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 Allô, hello, patience, est-ce que tu es là? Allô? Allô? Oui, allô, prof. Bonjour, hello, c'est comment? Oui, ça va mieux, ça va mieux. M'écoute bien. Oui, ça va. Le son de ta voix est un peu basse là. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Je n'entends pas parfaitement. Ça va comme ça. C'est encore très basse. Oula. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi bas. Toi, tu m'écoutes bien? Oui, moi j'écoute parfaitement. Par contre, je t'écoute pas bien. Vraiment, je t'écoute pas bien. Voilà. Un instant, hein? Un instant. Une minute. Tu m'écoutes là? Oui, moi j'écoute parfaitement. Ok, là c'est bon, là ça marche, c'est bon. Là je t'écoute D'accord. maintenant. Ok, donc bonjour à toi. Bonjour, prof. Ok. Tu ne peux pas, on ne peut pas travailler en vidéo parce qu'on va travailler en écran partagé. Active la vidéo et on fait les présentations et tout. C'est bon? Pas encore ici, je suis pas. Peux travailler en vidéo. Oui, ça va. Tu me vois, non? Oui, je te vois. Active alors.
Allô? Oui, allô, prof. Tu n'y parviens pas là, pardon. À partager, écran partagé. Non, je voulais que tu actives ta vidéo, non? Ah, d'accord. OK. C'est bon. Ok, là c'est bon. D'accord. Alors bonjour et bienvenue chez nous, Manager Pub Agency, salle. Et ici nous sommes. Bonjour, bonjour prof, merci. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le marketing digital, le community management également. Et naturellement, nous offrons d'autres services. En l'occurrence, nous accompagnons les entreprises à parfaitement effectuer le marketing digital pour le bien-être de leurs produits. Et naturellement, nous apportons le service de community manager dans le sens de les aider à savoir comment gérer les situations de crise dans le cadre de leurs activités. Voilà. Et nous avons comme ça dans notre panier un bon nombre de services que nous offrons. Dans l'occurrence, nous offrons et nous faisons également dans des formations pour accompagner les personnes qui, dans le désir de vouloir opérer en indépendant, peuvent également utiliser le marketing digital comme outil de leur affaire afin d'accroître leurs revenus. Donc, c'est une très bonne chose que tu sois abonné chez nous. C'est une très bonne chose. Et déjà, comme tu le sais, je suis Romaric, Romaric aîné. Naturellement, le PDG de la compagnie en elle-même, donc j'ai souhaité t'entretenir particulièrement. J'ai souhaité t'entretenir particulièrement. J'ai également d'autres collègues avec qui nous travaillons dans le cadre des formations. Nous allons démarrer ce matin avec ta formation en marketing digital. Nous allons avoir trois parties. La première partie qui va consister en mode théorie, avec le support que je t'ai envoyé, on va faire un déroulé on va parcourir complètement ce support. Ensuite, on va entrer en pratique, parce que qui dit marketing digital dit le savoir dans la conception des contenus, parce qu'il faut bien faire la différence entre ce que quelqu'un peut filmer avec un téléphone et balancer sur Facebook ou sur Instagram et croire qu'il est en train de faire le marketing digital. Ce n'est pas ça. Il y a d'abord tout un écosystème dans le savoir de la conception de contenu publicitaire. Et ensuite, il y a donc maintenant ce qu'on appelle la mise en place des campagnes publicitaires et ciblés naturellement, qui font état d'atteindre un client spécifique qui a été paramétré ou bien qui a été configuré, ou bien qui a été ciblé. Et quand ce client fait un retour pour le service qui lui est fait, alors là, tu peux dire que tu es en train d'accomplir parfaitement le marketing digital. Maintenant, il y a également le fait que, en tant que marketiste, s'il te plaît, Madame No. Madame No, essaye encore voir, s'il te plaît. Essaye encore. Il dit qu'il a paramétré. Donc, il y a le marketing digital également. C'est tout un écosystème qui, en réalité, n'a rien à voir avec Facebook.
Mais avec tout ce qu'on avait, ce qu'on appelle le moteur de recherche Google, tu as déjà entendu parler forcément de référencement. Voilà. Donc, quand on parle de marketing digital, naturellement, ça renvoie à ça, au référencement. Donc, on va commencer ce matin avec, on va introduire ce matin avec ça. On a comme ça nos séances de travail les mercredis. On va travailler souvent les mercredis, les jeudis, les vendredis à la même heure et on fera 2 heures par jour. Voilà. Donc, si tu peux te présenter naturellement à la table avant qu'on commence. Ok, moi c'est Hello Patience. Je suis enseignante vacataire de marketing et j'ai étudié à l'ESTIC à Lyric et actuellement je suis encore étudiante à l'INSEP à Douala, mais je réside à Yaoundé. Et quoi d'autre? Bon. J'aimerais bien apprendre les nouveaux outils du marketing, à l'instar du marketing digital. Si possible, faire également des consultations dans des boîtes. Voilà. Et peut-être apprendre aussi à former les jeunes en marketing digital. Voilà, en gros qui je suis. D'accord, c'est bien. Ça veut dire que si tu es à l'INSEP de Douala de temps en temps, tu peux également, quand tu es dans la ville, tu peux faire un tour ici dans nos bureaux, comme si tu es à Macapé, Romain Couronne-Poulain. D'accord. Exactement au niveau de. Alors, D'accord. entre l'église et Sainte-Monique et la paroisse Cinquantenaire. Donc, nous sommes nés à la rue Bloch G, à Macapé, Romain Couronne-Poulain. D'accord. Voilà. Bon, on va commencer. Je voulais la vidéo déjà pour voir parfaitement ou bien pour voir en image avec qui je vais travailler. Donc, D'accord. tu peux désactiver ta vidéo pour économiser tes données, puisque tu D'accord. vas suivre ce que je dis. Voilà, donc, tu as parcouru le support. Le document. Voilà le document, tu as Oui, parcouru. oui. Et je pense que tu as déjà quand même une idée de ce que c'est concrètement. Oui. Voilà, donc on va le parcourir ensemble. Tu as le document devant toi, non? Oui, j'ai le document devant moi. Voilà. Alors, à l'introduction. On dit que le marketing électronique, encore appelé le marketing en ligne ou marketing numérique, ou par abus de langage, marketing digital, correspond à l'ensemble des méthodes et des pratiques marketing utilisées sur Internet, entre autres la communication en ligne, soit l'influence ou et les réseaux sociaux, l'optimisation du commerce électronique, la création de trafic au travers de tout support numérique. Le marketing numérique, le web marketing, le e-marketing, comment on s'y retrouve aujourd'hui dans un champ si vaste d'appellations? Avec dans l'explosion digitale des 20 dernières années, la notion de marketing digital s'est largement étendue et regroupe désormais toutes les pratiques liées au marketing qui utilisent désormais les supports web. Du digital ou bien les supports web, les canaux web en fait. En introduction, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Il faut savoir que quand l'Internet arrive, quand Internet fait son arrivée, on avait jusque-là la pratique, on essayait jusque-là ce qu'on appelle le marketing traditionnel. Donc, les entreprises et toute personne qui utilisait le marketing pour faire des ventes travaillait au travers du marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, c'est quoi concrètement? C'est le marketing que
tu peux mettre en place et tu décides de retrouver un client là où il se trouve pour aller lui présenter ton produit de manière physique. Le marketing traditionnel, c'est quoi? Le marketing traditionnel, c'est le fait de décider d'aller à une chaîne de radio, parler de ton produit, ou quand on monte un spot, on parle de ton produit à une chaîne de radio. Donc, avant l'arrivée d'Internet, donc, les hommes d'affaires utilisaient cette approche marketing-là pour essayer de développer leur chiffre d'affaires et d'essayer d'augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, l'arrivée d'Internet donc fait en sorte que la chose bascule complètement. Les gens se disent que si Internet est là, alors est-ce que sur Internet, on ne peut désormais pas faire le même travail qu'on faisait au travers du marketing traditionnel. Un instant. Madame No, s'il te plaît, monsieur José Takou, tu m'appelles, je suis en ligne. Il faut que tu appelles, tu lui dis que. Oui. Allez, pas tôt. Allez, pas tôt. Elle est encore partie, vous savez. On prend pas toujours. Prends le numéro de Monsieur Tapotu. Tu as le numéro de Hervé, non? L'information. Je suis en formation. Exactement comment ça fait. Il va t'orienter. Il est en train de travailler dessus. Voilà. Désolé, hein, et nos patience. Donc, l'avenue donc du numérique fait donc Non, naître ça va, c'est pas grave. l'avenue du numérique fait donc naître une nouvelle forme de faire désormais du marketing. Les gens donc qui se retrouvent sur cette plateforme numérique, se rendent compte que même avec le numérique, ils peuvent faire des ventes. Alors, à l'époque donc, ils disaient que c'est du marketing électronique. Parce que naturellement, ils utilisent le système électronique pour le faire. Chacun utilisait l'appellation qui lui convenait en fait le mieux. D'autres l'appelaient le marketing en ligne, justement parce qu'ils utilisaient le moyen d'Internet pour le faire. D'autres disaient c'est le marketing numérique, parce que lui, il faisait des ventes sur Internet également. Alors, le système d'appellation a évolué au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir ce nom qui est définitivement resté le nom officiel de ce secteur d'activité, qui est le marketing digital. En réalité, le marketing numérique, le web marketing ou le e-marketing, quand on dit e-marketing, il s'agit toujours de marketing numérique, hein, donc c'est des différentes appellations. Pourquoi on a fini par opter l'appellation marketing digital? Justement parce que tout pratique qu'on mettait sur pied pour exercer cette activité, on le faisait au besoin d'un écran. Ça veut dire que tu programmais carrément une campagne, n'est-ce pas? Tu programmais carrément une campagne et à la fin, cette campagne donc ressortait au travers d'un écran. Alors, tout ce qui constitue un écran, c'est le digital. Donc, téléphone portable. Le fait d'écrire sur WhatsApp à quelqu'un et que tu peux voir ça à travers un écran, c'est une action digitale, n'est-ce pas? Sur ordinateur, par exemple, le fait que nous soyons en train de travailler présentement et que je peux te voir à travers un écran, c'est le digital. Alors, on s'est dit, si alors, on peut faire également du marketing et que
en utilisant Internet, ça ressort au travers d'un écran. Alors, on peut donc la baptiser le marketing digital qu'on peut. Digital. Voilà. Et on peut finir par l'adopter comme étant une appellation universelle parce qu'elle elle a un sens un peu plus important. Parce que quand on dit marketing numérique, par exemple, c'est un peu limité. C'est la même chose. Mais en réalité, est-ce que le Internet fonctionne? Ce marketing ne se voit pas? Ça se voit. Parce que si on se limite à l'appellation marketing numérique, on va dire que, OK, l'action s'est faite au moyen de Internet. Mais est-ce qu'au final, l'action était visible? Oui, c'était visible. Par quel moyen? Au moyen d'un écran. OK. Alors, marketing numérique, OK, c'est ça. C'est la même chose. C'est toujours ça. Mais il y a quelque chose qui manque. Web marketing, pareil. Est-ce qu'on peut dire que le web marketing peut suffire comme appellation de ce secteur d'activité? Oui, mais pas vraiment, parce que dans la pratique, ce n'est vraiment pas ça. Est-ce que l'action qui se fait sur Internet pour vendre une entreprise au travers de ce marketing, de ce web marketing-là, est visible? Oui, si c'est visible, c'est donc par quel moyen? C'est un écran. Voilà. Donc, pour finir, toutes ces appellations ont trouvé leurs limites et on a trouvé que c'est au niveau du marketing digital qu'il fallait utiliser parce que l'appellation du marketing digital renvoyait en fait dans un sens complet de l'activité. Ça veut dire, je mène une action marketing sur Internet, je mets sur pied une stratégie marketing sur Internet. Là, je suis en train de faire du web marketing, du marketing numérique, du e-marketing. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais la conséquence de ce travail, je suis visible où? À travers un téléphone portable que je vois par un écran, à travers mon ordinateur qui me reçoit à travers un écran, à travers une projection qui me reçoit à travers un écran. Alors, la conclusion directe, c'est que je fais en réalité du marketing digital. Voilà pour la raison pour laquelle cette appellation est devenue l'appellation la plus importante aujourd'hui, contrairement aux autres. Voilà. Je crois que jusque-là, c'est bon. Oui, prof, c'est bon. OK. Maintenant, quand on parle de marketing digital, on va prendre le grand 1, bâtir sa présence sur le web grâce au marketing digital. En réalité, si tu fais le marketing digital, les entreprises, par exemple, avec qui nous travaillons, ils utilisent le moyen du marketing digital pour une seule chose. Bâtir une bonne présence sur Internet. N'est-ce pas? Et pour bâtir une bonne présence sur Internet, il faut vraiment avoir tous les rouages et tout. Il faut maîtriser ce domaine d'activité dans tous les sens du terme. Ça ne se limite pas au Facebook, au WhatsApp et consorts que tu vois là. C'est très vaste ce champ d'activité. Donc, quelqu'un qui va te dire, je vends une entreprise sur Facebook, je vends une entreprise sur Instagram, je fais du marketing digital, zéro, zéro, zéro faux. Ce n'est jamais du marketing digital. Parce que le marketing digital, c'est sortir une entreprise du noir, la positionner sur la lumière au moyen des actions et des stratégies que tu mets en place pour vendre cette entreprise sur Internet. Maintenant, la quasi-totalité des entreprises possède aujourd'hui ce qu'on appelle un site Internet. C'est très important de le savoir. Beaucoup d'entreprises, particulièrement les entreprises africaines, les entreprises en Afrique, parce que avec les études que j'ai faites dans ce domaine en Europe, à Paris, j'ai été en fait scandalisé de savoir que les Africains ne savent pas concrètement à quoi sert un site Internet. Parce que jusqu'ici, ils pensent que avoir un site Internet, c'est tout simplement une norme. Est-ce qu'on se comprend? Pour eux, j'ai créé une entreprise. Alors, on dit souvent qu'il faut un site Internet. Alors, il me faut un site Internet. Et quand tu arrives dans ce site Internet, on te dit que la dernière fois qu'on a administré ce site date de 10 ans. On n'est plus jamais entré là-bas. Pourtant, le site Internet que tu vois est en réalité l'entreprise propre de cette... C'est la représentation propre d'une entreprise, mais qui à ce moment est une entreprise plutôt à caractère numérique. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un décide de ne pas arriver dans vos locaux et qu'il entre dans votre site Internet, il doit être renseigné au même titre que s'il était entré dans vos locaux.
Il doit être satisfait du service au même titre qu'il était en train d'envoyer le colis. C'est à ça que renvoie le site Internet. Donc, quand on parle en réalité du marketing digital, l'action du marketing digital, concrètement, c'est quoi? Concrètement, ça se résume sur le site Internet. Ça se résume sur le site Internet. Donc, Facebook et les autres applications que tu connais là viennent en réalité très loin derrière. Donc, là où le vrai travail du marketing digital se résume, c'est dans un site Internet. Parce que quoi? Les outils indispensables pour être visibles et pour se conformer aux attentes des consommateurs. Parce que tu ne peux pas dire à un entrepreneur sérieux que pour savoir ce que tu fais, il va aller sur ta page Facebook. Nous sommes d'accord. Il va se demander si en réalité ce que tu t'apprêtes à faire, en réalité c'est du sérieux. Parce que si tu lui dis, mon collaborateur, pour en savoir plus en ce qui concerne mon entreprise, pour en savoir plus en ce qui concerne mon activité, rendez-vous sur ma page Facebook et consort. Attention, la page Facebook n'est pas un endroit où on doit envoyer les visiteurs retrouver ce que tu offres comme service. Ça marque de l'amateurisme pur et simple. Donc, pour une entreprise qui veut vraiment savoir si elle a une bonne présence sur Internet, son site Internet doit exister et ça doit être un site de bonne qualité et un site Internet naturellement administré et suivi. C'est la raison pour laquelle ce grand titre parle de bâtir une présence sur le web grâce au marketing digital. Alors, très vite, le développement des algorithmes des moteurs de recherche a révélé qu'un site Internet seul n'allait pas suffire, n'est-ce pas? Donc, comme je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de s'asseoir, créer un site Internet et croire que ça va s'envoler tout seul. Si tu entres dans un site Internet et que tu te rends compte que ça date de 10 ans, on n'est plus entré là-bas, en réalité, c'est parce que la personne a créé et a cru que c'est avec la magie de Dieu que ça va commencer à aller plus loin. Non. Pour se faire connaître sur la toile et cibler le consommateur, des stratégies se sont développées au fur et à mesure, englobées donc dans ce que l'on appelle le marketing digital. N'est-ce pas? Oui, bro. Voilà. Donc, en image, dans ce support, tu as donc l'esquisse des personnes qu'on appelle les web marketeurs, parce que au sorti de cette formation, tu pourras désormais te qualifier de web marketeur, tu pourras te qualifier d'une dame professionnelle du marketing digital. Voilà. Maintenant, s'il faut peut-être qu'on te donne également une appellation comme consultant social media, il faut entrer encore un peu plus en profondeur. Voilà. Donc, tu as une image là. Bonjour, Lida. C'est comment? Sur la formation. Donc, tu as une image des personnes qui utilisent donc les supports numériques pour opérer sur la toile. Naturellement, dans le bon, dans ces images, c'est des images des collègues, hein, des images des collègues depuis là où j'ai fait des études. Et parmi eux, beaucoup sont en entreprise là-bas. Maintenant, on va passer au grand 2. On a fini donc de parler dans l'ensemble concrètement. On a présenté l'action marketing, on a parlé du pourquoi du marketing digital. On a rappelé que quand on parle de marketing digital, en réalité, il s'agit entre autres de bâtir une bonne présence sur Internet. Maintenant, il est important de savoir parce que les entreprises et même les enseignants confondent le marketing et la communication, n'est-ce pas? Ils font cette confusion. Ils font beaucoup de confusion à ce niveau. Quelqu'un va te dire, je fais du marketing. Quand tu vas lui parler de communication, il va te dire que non, mais je fais déjà du marketing. En réalité, il ne sait pas que c'est deux.
ces deux activités parfaitement différentes. Alors, on va entrer dans le grand 2 avec les fondamentaux. Je vais te laisser le soin de faire une lecture parce que en faisant une lecture, ça te permet d'entrer encore bien en profondeur avec la compréhension du support. D'accord, prof. Grand 2, ne confondez plus marketing et communication. Les fondamentaux. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet en commençant par décortiquer le terme marketing digital. Celui-ci suggère que le marketing digital n'est pas la seule forme de marketing que l'on peut pratiquer. Et effectivement, c'est en fait l'un des nombreux sous-domaines du marketing. La communication est aussi un sous-domaine du marketing. Pour autant, les deux notions sont souvent confondues. Rappelez-vous que communiquer, c'est transmettre un message dans une organisation. La stratégie de communication sera souvent gérée par une équipe indépendante, mais elle découlera directement du plan marketing global. Pour bien commencer ce cours, je vous propose donc le temps d'un chapitre de mettre l'aspect digital de côté pour bien comprendre ce qu'est le marketing au sens large. Déconstruire les stéréotypes liés au marketing. Lorsque vous entendez parler de marketing, que cela vous évoque-t-il? Si quelqu'un se présente à vous comme étant un marketeur, instinctivement, quel préjugé pourrez-vous avoir sur cette personne? Les réponses varient évidemment d'une personne à l'autre. Malheureusement, dans l'inconscient collectif, l'image du marketeur est rarement bonne. En entreprise, les marketeurs ont généralement une réputation de beaux parleurs. Leur intérêt pour la psychologie du consommateur inquiète et leur utilisation intempestive du jargon de métier exaspère. Aux yeux du grand public, le cliché est encore moins flatteur. Souvent associé à la notion de manipulateur, le marketing est perçu comme l'art de déformer la réalité pour l'embellir. Si ce n'est de métier pour créer un besoin et pousser à la consommation. En d'autres termes, pour une personne lambda, marketeur est un synonyme de charlatan. Une personne peu scrupuleuse, potentiellement capable de vendre de la neige à un esquimau. Comme tout stéréotype ou caricature, ces portraits du marketeur ne sont pas représentatifs de la réalité. En l'occurrence, ils exagèrent et déforment des traits qui ne caractérisent que les plus malhonnêtes et extrêmes d'entre nous. La réalité de ce domaine est plus complexe et surtout beaucoup plus gratifiante. Après tout, si les marketeurs n'étaient que des bonimenteurs, pourquoi seraient-ils demandés dans autant d'organisations? La plupart des organisations font appel aux marketeurs. Dans tous les secteurs, les organisations de toute taille embauchent des marketeurs pour les aider à développer leur activité, y compris les organisations à but non lucratif. Greenpeace est un bon exemple, en est un bon exemple. Bien que cette organisation soit anticonsumériste au possible, elle s'est imposée comme une référence mondiale du branding, de la publicité et du street marketing, et donc par extension du marketing. Marketing et éthique ne sont donc pas fondamentalement incompatibles et cela n'a plus rien de surprenant une fois que l'on sait en quoi consiste vraiment ce domaine. Je poursuis. Bon, on va d'abord expliquer. D'accord. Voilà. Ici, en réalité, il est question de planter le décor. Je vais désactiver ma vidéo hein, pour qu'on ait une parfaite. On s'écoute parfaitement. D'accord. Il est question ici de planter le décor.
Prof, s'il vous plaît, je peux enregistrer. Oui, elle a enregistré la réunion. Oui. Oui, bien sûr. Ça va te permettre Mais d'améliorer. oh. On me demande de demander d'abord l'autorisation d'enregistrement à l'animateur de la réunion. Oui, bon, maintenant, il faut que je rentre dans les paramètres. Bon, ce qu'on fera, c'est que mon enregistrement, je vais t'envoyer ça, n'est-ce pas? OK. D'accord, prof. Alors, on dit en fait, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet en commençant par décortiquer le terme marketing digital. D'abord, sortons un peu du marketing digital. Parlons un peu du marketing proprement dit. D'après toi, concrètement, qu'est-ce que le marketing d'abord? Normalement, quand on dit marketing, c'est quoi? Tu es prof de marketing. Je veux que tu me dises concrètement ce que c'est que le marketing. Alors, concrètement, le marketing, c'est un ensemble, je veux dire quoi, c'est une discipline qui consiste à élaborer des stratégies afin de promouvoir, de susciter l'envie ou alors, on va dire, de pousser le produit vers le consommateur. De manière globale, c'est une définition qu'on peut donner au marketing. Okay. Donc, si on se résume, le marketing en elle-même déjà Oui. peut être conçu classiquement comme l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier, parce qu'il faut bien maîtriser les étapes d'approche, l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier, un, d'influencer les besoins et comportements des consommateurs Oui, et de oui. réaliser en continu les adaptations de la production et l'appareil commercial en fonction des besoins et comportements précédemment définis. Donc, quand on dit marketing en réalité, rassure-toi que l'action, la stratégie, l'approche que tu t'apprêtes à mettre en place doit être une approche parfaitement étudiée. Deux, dans cette approche, la personne que tu t'apprêtes à mettre la main sur lui, qui est ce qu'on appelle une cible, tu dois savoir que cette cible-là, tu dois pouvoir avoir de l'influence sur lui. Parce qu'il peut venir avec sa façon à lui de faire et son comportement. Tu dois être capable de pouvoir gérer son comportement afin de le transformer en consommateur. Tout à fait. Voilà. Donc, si un marketiste dans son rôle, n'est-ce pas? Si un marketiste dans son rôle n'effectue pas ce qu'on appelle la fonction marketing et vente, et donc ce qui, donc je perds une autre appellation. Donc, si le marketiste dans son rôle ne regroupe pas la fonction marketing et la vente, donc parce que tout ce qu'on attend d'un marketeur, c'est qu'il opère des ventes. Parce que Oui. tu es là pour mettre en place des stratégies pour avoir des ventes. Donc, si dans cet ensemble-là, on ne fait pas des ventes, alors on ne saurait vraiment être qualifié de marketeur. Donc, il n'est pas question ici de mettre en place des stratégies qui vont être inutiles. C'est de mettre des stratégies qui vont faire en sorte que le chiffre d'affaires de la personne avec qui tu travailles va croissant, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, concrètement, dis donc, si marketing renvoie à vente, concrètement, donc, si on dit vente, il s'agit de quoi? Il s'agit donc en fait, la vente en fait regroupe l'ensemble des activités et processus permettant à une entreprise de comprendre les attentes des consommateurs et la situation du marché sur lequel elle est en train d'évoluer, n'est-ce pas? Il Oui. faut essayer d'influencer le comportement du consommateur dans un sens de ses objectifs. Parce que les consommateurs sont là. Ils seront toujours là. Mais l'action marketing que tu mets en place, prenons le cas du marketing traditionnel, il n'aimerait pas qu'il reste à son bureau. Malgré le besoin, tu viens l'embêter. On se comprend? Oui. Il faut avoir une approche stratégique qui fait en sorte qu'à travers ta stratégie marketing,
tu réussis à susciter en lui vraiment ce besoin qui est le sien, afin de faire de lui un consommateur. Voilà. Donc, dans son ensemble, dans son ensemble, on dirait que qui dit marketing dit vente. Donc, si quelqu'un te dit je fais le marketing et que tu demandes son chiffre d'affaires il y a 5 ans et son chiffre d'affaires il y a 10 ans, il n'y a pas de changement, alors tu ne saurais le qualifier de marketeur. C'est la raison pour laquelle les agences de marketing comme nous, dans nos stratégies, quand on signe un contrat avec une entreprise, si après un an, on n'a pas de chiffre d'affaires de cette entreprise qui a évolué, nous remettons en cause la stratégie. On se comprend? Oui, oui. Voilà. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet, si c'est bien compris. Donc, le marketing digital n'est pas la seule forme de marketing que l'on peut pratiquer. Comme je disais tout à l'heure, on peut pratiquer du marketing traditionnel. On peut pratiquer du marketing opérationnel. Donc, ce n'est pas pour dire que le marketing digital est venu carrément mettre de côté tous les types de marketing que nous connaissons. Hein. Ce n'est pas venu mettre de côté, ça continue d'influencer, d'exister. Donc, il y a des entreprises qui peuvent faire encore rester sur l'approche du marketing opérationnel. Il y a des entreprises qui utilisent plutôt ce qu'on appelle le marketing d'influence. Il y a des entreprises qui utilisent ce qu'on appelle l'approche du marketing relationnel. Il y a des entreprises qui utilisent l'approche du marketing direct, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes dans un cadre plus particulier, entre autres, le marketing sur les réseaux sociaux, entre autres, le marketing digital. Voilà. Évoluons. Donc, effectivement, c'est en fait l'un des nombreux sous-domaines du marketing. Donc, le marketing digital est aussi dans le sous-domaine de l'ensemble de tous les systèmes marketing que nous connaissons. La communication, donc, est aussi un sous-domaine du marketing. Mais pour autant, les deux, on ne saurait dire que c'est la même chose. Alors, maintenant, rappelez-vous que communiquer, c'est transmettre un message. Dans une organisation, la stratégie de communication sera souvent gérée par une équipe indépendante. Donc, en entreprise, comme chez nous ici, quand une entreprise décide de travailler avec nous, nous avons une équipe que nous mettons sur pied pour travailler aux besoins de cette entreprise. Mais elle découlera directement du plan marketing global. Ça veut dire quoi? L'équipe que nous mettons sur pied pour peut-être assister une entreprise X là-dehors, ne s'assoit pas et génère ses stratégies à elle. Non, on met sur pied un plan marketing global. Ça veut dire, moi, ce qu'on appelle le pôle social media, nous mettons en place avec cette équipe-là la stratégie que l'équipe qui a été dédiée ira sur le terrain faire comme travail. Maintenant, pour bien commencer ce cours, alors on vous propose donc, dans un chapitre, de mettre l'aspect marketing de côté pour comprendre parfaitement ce que c'est que le marketing dans son sens large. Maintenant, les web marketeurs, à l'époque, comme j'ai dit en introduction, c'est une activité que jusqu'ici, on a toujours taxé, du moins, on nous a toujours taxé des bons parleurs. Vraiment, ce gars, il vend le rêve. Voilà ce que moi, particulièrement, me dis toujours. Que je vends le rêve, en fait. Pourquoi? Parce que ce que je sors de ma bouche est traité et mesuré. Du coup, la personne qui est en face de moi tire bien le frein à main parce qu'il se rassure que je ne dois pas l'amener ou je ne dois pas l'embobiner. Pourquoi? Parce que pour lui, je vends le rêve. Lorsque vous entendez parler de marketing, en réalité, qu'est-ce que ça évoque? Si quelqu'un se présente à vous comme un marketeur, instinctivement, quel préjugé pourrez-vous avoir de cette personne? Je reprends cette question autrement. Si quelqu'un reste et te retrouve dans ton bureau à l'université où tu donnes les enseignements et se présente comme marketeur, qu'est-ce que tu vas penser de lui immédiatement? Je te pose la question. Hein? Ah, si quelqu'un se présente vers moi et... Il te dit qu'il est, il fait le marketing. Oui. Dans le cas des gens qui arrivent souvent là avec les produits avec ça. Les gars de... Comment on appelle? Les vendeurs ambulants, là. Voilà, oui. Bon. Moi, déjà, je les considère comme
Enfin, je vais dire quoi? Ce sont des commerçants, ils veulent tout simplement vendre leurs produits. Oui. Oui. Voilà. Bon, au moins, tu as une bonne appréhension d'eux. D'autres, carrément, demandent de ne plus jamais, demandent à leur vigile de ne plus jamais accepter qu'ils entrent dans leurs locaux. Pourquoi? Parce que on les qualifie de mendiants, Oui. de bons parleurs, de bandits, à la limite même. Je prends le cas de mon partenaire Prudential Beneficial Life Assurance. Ces web marketeurs, c'est du moins ces marketeurs qui vont sur le terrain, sont qualifiés tout autant de bandits. Voilà. Parce que ils arrivent, ils expliquent ce qu'ils expliquent par rapport aux produits de leurs entreprises. C'est tellement bien expliqué que la personne qui est en face croit que c'est l'escroquerie. N'est-ce pas, tu vois un peu? Oui, je comprends. On dit, pour eux, l'image du marketeur vraiment n'est pas toujours bonne. Mais peu à peu, les entreprises et les marketeurs ont généralement une réputation de beaux parleurs. Ça, c'est ce qu'on sait. Leur intérêt, donc, pour la psychologie du consommateur inquiète. Donc, quand tellement il parle bien que la personne qui est en face de lui, dit bien qu'il pense sur lui de ne pas vouloir aller au fond de ce que la personne dit parce qu'il craint que ce monsieur peut tellement parler, je sors l'argent sans qu'il le sache, sans que sans comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, en réalité, le service qu'il vend est un service vraiment de qualité. Alors, aux yeux du grand public, le cliché est encore moins flatteur, souvent associé à la notion de manipulation. Le marketing est perçu comme l'art de déformer la réalité. Ça veut dire, ça c'est même d'abord dans le sens propre du web marketeur. Nous, les web marketeurs, tu t'apprêtes à devenir marketeur. Tu dois savoir que pour défendre les intérêts de la compagnie avec qui tu travailles, même si on te dit que c'est noir, tu dois tout faire pour déformer ça et dire que c'est le blanc. Et tu C'est prouves. clair. C'est à ce niveau qu'ils nous détestent. Et parce qu'on réussit toujours à faire en sorte que ça ne dégénère pas. Parce qu'on réussit à transformer le noir que les gens créent en blanc. Entre autres, non, pour une personne lambda, marketeur est un synonyme de charlatan. Justement, parce que le marketeur est capable de dire que ta veste bleue là n'est pas de couleur bleue. Tu commences à te demander que, mais celui-ci est même normal. Il te sort une équation terrible et il te prouve par A plus B qu'effectivement ta veste n'est pas de couleur bleue. Au point où tu commences à douter de ta propre personne. Un web marketeur doit être capable d'entrer dans la tête de quelqu'un et se balader à l'intérieur. C'est ce que je dis souvent ici à mes collaborateurs. N'est-ce pas? Un web Oui. marketeur doit être capable d'entrer dans la tête d'un interlocuteur, de son collaborateur, d'un chef d'entreprise. Quand tu as déjà l'occasion de te placer devant un chef d'entreprise pour lui dire de quoi son entreprise s'ouvre, tu dois entrer dans sa tête, tu te balades là-bas dedans, au point où il reste, il fait les cauchemars te concernant. Ils disent que nous sommes des charlatans, mais en réalité, c'est notre travail. Parce que à travers ce travail, nous faisons ce qu'on appelle la protection de l'image des personnes avec qui nous travaillons. Nous Oui. protégeons la notoriété des entreprises qui nous confient leurs projets. On ne pourrait donc aller dire que c'était noir, vraiment c'était noir, non. Même si vraiment c'était noir, on va défendre ça en disant c'était bleu. Tu montes, tu descends, c'était bleu. C'est pour toi là-bas. Nous, on est en train de dire que c'était bleu. Et on met sur pied toutes les stratégies pour renforcer ce secteur de cette communication-là afin d'entrer dans les esprits de la grande majorité du public et accepter le noir qui est devenu bleu alors que c'était en réalité noir. Alors, une personne peu scrupuleuse, potentiellement capable de vendre la neige en réalité. Donc, il faut que la personne qui est en face de toi sache que même si blague là, tu peux forcément lui vendre la neige. Donc, dans l'ensemble, donc, concernant cette partie, il est question ici de présenter globalement que les web marketeurs en réalité ne sont pas très perçus par le grand public. Mais avec l'avenue du marketing digital, cette donne a beaucoup changé. Beaucoup changé. Je vais t'expliquer quand on va évoluer. Parce que
Désormais, les web marketeurs n'ont plus à aller vers les chefs d'entreprise se placer devant eux. Donc, dans l'approche d'aujourd'hui, avec le numérique et le digital, on n'a plus besoin d'aller toquer la porte d'un directeur général et lui dire, monsieur le directeur général, il y a des marketeurs digitaux qui te cherchent là, ils sont là dehors, là, ils veulent te rencontrer. Avant que le chef d'entreprise dise que je ne les reçois pas, je ne suis pas là, ils vont sortir. Non. Dans l'approche du marketing digital, c'est venu donner de la valeur, de la noblesse à ce secteur d'activité, entre autres, par quels moyens? Sur Internet, tous les chefs d'entreprise dans leur bureau ont ouvert un espace réservé au Facebook. Tous les chefs d'entreprise dans leur bureau ont leur site Internet ouvert devant eux. Tous les chefs d'entreprise dans leur bureau ont leur compte email ouvert devant eux, soit en ordinateur, soit sur téléphone portable. Ça veut dire, avec l'action du marketing digital, tu peux entrer dans la tête d'un chef d'entreprise sans être présent devant lui. On se comprend bien. Tu peux... Allô, tu es là? Allô? Oui, je suis là. Tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Donc, je disais, avec la venue du marketing digital, on doit être capable d'entrer dans les esprits. D'entrer dans les esprits des chefs d'entreprise sans toutefois être devant eux. Parce que l'ancienne méthode consistait à aller devant eux, les embêter. Et c'est comme ça qu'ils nous ridiculisaient, nous traitaient de charlatans et consorts. Mais l'approche du marketing digital voudrait que tu peux entrer dans sa tête sans toutefois entrer dans sa tête. Mais à travers son outil qui est devant lui, il te voit. Et pour finir, tu ne l'as pas forcé. Tu ne l'as pas mis la main au cou. Ce qu'il a vu que tu as généré de manière automatique en ligne, fais en sorte que de lui-même, il décide de t'appeler et de venir avec ton affaire là. Est-ce qu'on se comprend? Tout à fait. Je prends le cas simple dans le cadre de cette formation. Je prends le cas simple. Le marketing digital que j'ai déclenché, j'ai généré pour le cadre de cette formation, les personnes comme toi ne sont pas restées chez eux et j'ai débarqué. Non, ils ne sont pas restés chez eux, j'ai débarqué. Je n'ai visité personne. Je n'ai appelé personne par téléphone. Je me suis assis dans mon bureau. J'ai généré ma stratégie. Je l'ai développée sur Internet. Les personnes ont commencé à me dire que moi voici, je veux me former. Moi voici, je veux me former. Je n'arrive plus je n'arrive plus à contrôler même le nombre de la fréquence des retours. Tu vois? Pourtant, si j'utilisais l'approche selon laquelle je sais que les gens dehors en ont besoin et que je décidais que c'est moi qui vais aller vers eux pour leur dire, venez vous former, vous allez dire que tu es un bandit. Nous sommes d'accord? Oui, trop. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec donc, cette nouvelle approche, la plupart donc, des organisations font appel donc, aux marketeurs. Dans tous les secteurs, les organisations de toute taille embauchent les marketeurs pour les aider à développer leur activité, y compris les organisations à but non lucratif. Tous. C'est un champ qui est tellement vaste aujourd'hui que toute personne qui dit qu'il veut faire désormais dans les affaires, dans le business ou quoi que ce soit, ne saurait échapper à la donne. Alors, bien que cette organisation donc, soit anticonsumériste, au possible, elle est imposée comme une référence mondiale de branding. Alors, la publicité du stream marketing et donc, par extension, le marketing. Donc, voilà un peu présenté fondamentalement un peu comment est perçu le web marketer sur le terrain à présent. Donc là, on va évoluer avec les bases du marketing fondamental. Voilà. Découvrez les... Allô? Oui. Je continue. Oui, tu peux continuer. Découvrez les bases du marketing fondamental. Maintenant que vous savez ce que le marketing n'est pas,
Vous n'aurez aucun problème à comprendre ce que c'est. Comme c'est le cas dans bien des domaines, tout le monde n'est pas parfaitement d'accord sur la définition du marketing. Et je vais donc vous proposer trois définitions. Faites en sorte de les comprendre plutôt que de les apprendre par cœur. Dans le dictionnaire Larousse, le marketing est défini comme l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. La notion clé qui est très justement mise en avant ici, c'est celle de besoin des consommateurs. J'attire votre attention sur le fait qu'à aucun moment on ne parle de créer des besoins. Et pour cause, s'il y a une chose sur laquelle tous les marketeurs sont d'accord, c'est que l'on peut faire en revanche, c'est influencer le comportement des consommateurs vis-à-vis d'un besoin déjà existant. Cette notion généraliste est donc un bon point de départ, mais elle n'en demeure pas moins réductrice. C'est en tout cas ce que vous diront certains experts du métier qui prônent des définitions plus, voire trop larges, mais certainement plus fidèles aux récentes évolutions du domaine. En voilà un exemple. Marketing égale toutes les interactions entre votre organisation et quelqu'un d'extérieur à votre organisation sont des opportunités marketing. Le marketing, c'est la vérité rendue fascinante. C'est l'art de faire changer d'avis. C'est aussi une opportunité de gagner de l'argent tout en construisant des relations durables avec les membres de sa communauté et avec d'autres organisations. Cette définition plus romancée suggère que le périmètre d'intervention du marketing s'étend bien au-delà des simples connaissances, prévisions et simulations des besoins du consommateur. Elle met notamment l'accent sur des notions de vérité, de pouvoir de persuasion, de relation, mais surtout d'opportunité. Ce qui est à la fois intéressant et problématique dans cette définition, c'est qu'elle présente tous les points de contact entre l'entreprise et l'extérieur comme relevant du marketing. Les zones de recouvrement avec d'autres métiers sont alors innombrables, ce qui rend la définition floue et explique pourquoi elle ne fait pas l'unanimité. Quelle définition est-ce que je dois retenir alors? Retenir une définition n'est pas aussi important que de la comprendre. Je vous propose donc ma définition qui se veut plus simple à comprendre et accessoirement à retenir grâce aux moyens mnémotechniques suivants. Dans le mot marketing, il y a le mot market ou marché en français. Si un marché est le point de rencontre entre l'offre et la demande, alors le marketing est l'ensemble des actions visant à faciliter la rencontre entre une offre et la demande pour cette offre. Utilisez le marketing mix comme pilier de votre stratégie. OK, on s'arrête d'abord là. Voilà. D'accord. Ici, en réalité, on te montre donc dans l'ensemble concrètement ce que c'est que le marketing. On a fini de définir le marketing avec tous les mots qu'on a utilisés aujourd'hui. On a fini par dire que c'est le marketing en réalité. Marketing en réalité. C'est l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs égaux et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Voilà tout ce qu'on a dit. Mais si quelqu'un, si tu dis marketing, en réalité, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à deux choses. Dans l'esprit d'un professionnel, il faut immédiatement mettre ça en esprit. Ça renvoie à deux choses, l'offre et la demande. Ça signifie, si tu fais dans le marketing,
que ce soit traditionnel, d'influence, relationnel, opérationnel, digital, ça dépend de ce que tu vas faire. Dis-toi que tu as deux choses que tu dois mettre en avant, l'offre et la demande. Maintenant, si je prends le cas d'un exemple d'une entreprise lambda, je prends le cas de Santa Lucia. Santa Lucia te dit, j'ai une nouvelle variété de produits qui est arrivée. Alors, la demande n'est pas très forte. Pourtant, le produit est là. Et je sens que si je ne fais pas quelque chose, ce produit va atteindre sa date de péremption et ça ne va pas écouler. Ce qu'il faut faire maintenant en tant que votre marketeur, c'est de rediriger, de mettre sur pied une stratégie qui va permettre que cette offre-là déclenche une demande énorme. Pourquoi? Parce que tu peux finir, Santa Lucia peut te dire que son produit est là. Mais tant que on ne rend pas visible ce produit, ou on n'incite pas, ou on n'entre pas dans l'esprit des personnes qui veulent, des consommateurs, pour leur parler de ce produit, ils n'auront jamais, ils vont jamais savoir qu'ils ont besoin de ce produit. Donc, ça repose entre les deux. Au milieu, il y a ce qu'on appelle le marché. Maintenant, entre les deux, il y a d'un côté l'offre, de l'autre côté la demande. Il faut tout faire pour que, au niveau du marché, tu fais l'effort de susciter la demande, une grande demande sur des produits qui sont stockés, afin de pouvoir faire sortir ces produits-là. Donc, si, comme je disais tout à l'heure, tu mènes une action marketing et que Santa Lucia, dans les produits qu'il a stockés, il n'a pas réussi à faire sortir ce produit-là, en conséquence, on dira que le web marketeur ou bien le marketing digital ou bien le marketeur a carrément échoué. Parce que dès que les produits arrivent, c'est à lui qu'on confie dans la responsabilité de faire sortir ce produit. Quel que soit ce qu'il va utiliser comme stratégie, il fait ce qu'il peut, mais les moyens et le budget sont à sa disposition pour faire en sorte que ce stock de produits doit quitter les rayons. Et ça ne repose que sur l'action de l'offre et la demande. Donc, en un seul mot, voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le marketing. Voilà. Donc, on ne va pas trop s'attarder là, puisque ça complétait le champ sur les fondamentaux. Maintenant, on entre donc maintenant dans le vif du sujet. On a fini avec la présentation, on a fini avec l'introduction, on a fini avec les fondamentaux. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Il est question de parler maintenant de ce qu'on appelle le marketing mix, comme pilier d'une stratégie marketing. Quand on parle de marketing mix, là maintenant, on n'est plus en train de tergiverser si on est entre le marketing traditionnel, entre le marketing relationnel, le marketing. On entre plein pied dans le marketing digital là maintenant. Voilà donc. Si je devais retenir qu'un seul concept de marketing fondamental, lequel serait celui du marketing mix sans hésitation, aussi appelé les 4 P du marketing? Ce modèle vous permet d'analyser et de définir les 4 piliers de toute stratégie marketing: produit, prix, distribution, promotion. Le marketing mixe les 4 piliers de la stratégie marketing. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration ci-dessus, ces 4 piliers sont la stratégie de produit, product en anglais. Quel produit, service ou idée est-ce que vous mettez sur le marché? Autrement dit, quelle est votre offre? La Voilà. stratégie de prix, price en anglais. Si votre offre est payante, quelle contrepartie financière demandez-vous? Sinon, quel est votre modèle économique? Si vous avez des compétiteurs, quelle politique de prix pratique-t-il? La stratégie de distribution, place. Le client devra-t-il venir chercher le produit ou le lui ferez-vous parvenir? Allez-vous tenir votre propre magasin physique, une boutique en ligne ou les deux. La stratégie de promotion. Comment allez-vous communiquer votre offre auprès de votre marché? Par quels canaux de communication allez-vous passer?
Quelle tactique allez-vous utiliser? Vous pouvez voir votre marketing mix comme la recette du développement de votre activité. Chacun des piliers est un ingrédient. Utiliser ce modèle vous permet de structurer votre approche et de vous poser les bonnes questions pour arriver au résultat final attendu. Ce qui fait le talent d'un marketeur, c'est justement sa capacité à poser toutes les bonnes questions et à formuler des réponses non seulement cohérentes entre elles, mais aussi et surtout en adéquation avec ses objectifs finaux. Puisque vos objectifs sont propres à votre organisation, votre marketing mix doit être conçu sur mesure. Si vous explorez des marchés inconnus ou tout nouveaux, exemple le tourisme spatial, votre mix sera certainement unique et en son genre. À l'inverse, si vous êtes positionné sur un marché très mature, il serait dommage de complètement réinventer la roue. Apprenez des erreurs et des réussites de vos concurrents. Pensez par exemple à ce que font les grandes chaînes de la restauration rapide. Une fois qu'elles ont trouvé et perfectionné un marketing mix qui fonctionne à un endroit, elles le dupliquent soit à l'identique, soit en adéquation, en adaptant autant pour moi, légèrement d'un marché à l'autre. Ainsi, elles sont capables de se développer rapidement sur des territoires entiers en minimisant les risques. Lorsque vous êtes franchisé d'une de ces chaînes, vous ne faites ni plus ni moins que payer pour utiliser le marketing mix de la franchise. Cela dit, j'insiste sur le fait qu'on parle bien d'une recette et non d'une formule magique. Vous n'avez aucune assurance que la stratégie marketing de votre compétiteur fonctionnera pour vous, ni qu'une stratégie conçue pour le marché français fonctionnera en Chine. Au même titre, une stratégie qui fonctionne très bien aujourd'hui sera peut-être obsolète l'année prochaine. Vous devez considérer le marketing mix de votre organisation comme une réflexion continue et dépendante d'un contexte. La seule certitude que nous avons à ce jour, c'est que plus vos clients seront connectés, plus vous devrez prendre en considération la dimension digitale de votre marketing mix. OK, voilà. Là, les choses deviennent sérieuses. Le marketing mix, tu vas noter cette partie dans ton bloc-notes, hein, dans là où tu vas noter, donc, comme on dit souvent, les points forts, en fait. Tu vas marcher avec ça parce que c'est à partir d'ici que se résume parfaitement toute stratégie que tu t'apprêtes à mettre en place. On dit que il s'agit en fait d'une stratégie appelée 4P de marketing. Et c'est un modèle, ce modèle vous permet d'analyser et de définir les quatre piliers du marketing, du stratégie marketing. Tout à l'heure, plus haut, on a dit que si on parle de marketing, on se résume en deux mots simples. Si nous sommes dans un marché, parce que marketing, en un seul décortiqué, market signifie marché. Donc, si on est dans un marché, on a deux choses qui doivent nous intéresser, l'offre et la demande. C'est ce qu'on s'est dit, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si nous sommes maintenant dans un contexte de l'offre et de la demande. Quelle stratégie mettre en place dans ce contexte-là concrètement? On a pris l'exemple de Santa Lucia avec un nouveau produit en stock qui ne fait pas une bonne, dont la demande n'est pas très forte. Donc, tout ce que Santa Lucia a fait, c'est que le produit est arrivé, il n'a pas fait ce qu'il faut, la demande n'est pas forte. Alors, on fait appel à toi et l'autre conscience comme web marketeur pour faire écouler ce produit qui est en stock. Tu dois te reposer sur quatre piliers.
le produit en elle-même d'abord. C'est ça ton offre. Parce que le client qui est en train de t'écouter, ou bien le client qui est là, lambda dehors, lui n'a pas de problème à consommer ce produit. Mais c'est ça ton offre et c'est à toi de faire en sorte que lui fait une demande. Tu vois? Oui. Tu dois donc d'abord maintenant te demander, est-ce que mon produit, si, est un produit de bonne qualité? Est-ce que c'est un produit qui, effectivement, si je mets sur le marché, est-ce que ça va me permettre d'avoir un bon retour? Maintenant, si tu as fini avec le produit, si, chez mon concurrent, comment ça se comporte là-bas? À combien ça coûte? Si ça coûte, par exemple, disons, prenons un cas bête, si ça coûte 20 000, ce produit, mon concurrent vend le produit à combien? Il vend à 15, il vend à 18 000 le produit. Bon, est-ce que si, côté stratégie prix, je mets ce produit à 15 000, nous, quand nous entrons toujours dans nos bénéfices? Si la réponse est oui, alors tu élabores donc cette stratégie prix pour faire en sorte que la personne qui va découvrir ton offre trouve le besoin de venir plutôt chez toi prendre cette offre-là. Tu vois? Oui, oui. Après, donc maintenant, quand tu as terminé avec l'approche prix, si tu es donc sûr de ça, tu vas donc maintenant chercher les points de distribution avec qui tu vas collaborer correctement pour mettre en place ces produits-là. Comment tu vas t'y prendre concrètement? Supposons que tu as des partenaires un peu dans les petits coins de la ville, de là où tu te trouves, et tu décides de collaborer avec eux pour en faire des points de distribution. Vous collaborez ensemble et c'est là-bas que désormais les produits vont se trouver. Tu as fini avec ce côté. Tu entres dans le côté promotion maintenant. Et c'est dans le côté promotion que tu dis donc maintenant que bon, ici, je prends mon tablier maintenant de marketeur digital. Je m'assois, j'informe les gens qui ont besoin de ce produit d'aller dans tous les points de distribution chercher. Oui. Une stratégie pareille fait en sorte que le produit commence à s'arracher comme des arrachés. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont aimer le produit, qui vont voir ta promotion sur le digital et quand tu vas leur dire que le produit se trouve par exemple à Hawaï, à Yaoundé, il va te dire, moi je suis ici, la personne te dit, j'ai besoin du produit, je réside à Hawaï. Tu lui dis, oui, il y a un point de distribution à Hawaï, à tel endroit, voilà un client. Quelqu'un va taper, va te dire, je voici un produit que j'en ai besoin, je vis plutôt en Kwabang. Tu lui dis, effectivement, il y a un point de distribution en Kwabang, allez à tel endroit chercher. C'est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Contrairement à une stratégie que tu avais mise sur pied, tu t'es attardé peut-être sur le prix, tu t'es attardé sur le produit, tu t'es attardé sur le prix. Tu n'as pas tenu compte de la distribution. Maintenant, tu lances une campagne publicitaire. Les gens t'appellent. Tu leur dis, je suis situé en Kwabang. Les produits sont ici à Santa Lucia. Il te dit que moi, je suis en vanne. Je fais comment? Lui, il ne peut pas payer le taxe pour venir chercher ça. Ça devient un problème. On se comprend. Tout à fait. Voilà. Oui, oui. Voilà donc pourquoi les quatre piliers de ce marketing mix est important et fondamental pour une bonne stratégie marketing. Voilà, donc, grosso modo, hein, c'est un peu à quoi ça renvoie cette partie-là. On peut continuer. Si tu as des questions, hein, je réponds. À moins que tu n'aies pas, on continue. Bon, la première question que j'ai, c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire la promotion d'un produit sans l'avoir distribué, c'est-à-dire sans avoir élaboré une stratégie de distribution au préalable? Ça revient à ce que je dis. Si tu déclenches la promotion d'un produit sans élaborer la stratégie de distribution, la personne te dit qu'il est intéressé par ton produit. Prenons un cas simple, n'allons pas loin. Mon offre, c'est les formations en marketing digital. N'est-ce pas? J'ai déclenché ma promotion en marketing digital à travers le Cameroun. Donc, les personnes de partout dans le Cameroun me contactent. Pourtant, je suis situé à Douala, Makepe, Douala, à Makepe.
Ma stratégie de distribution, c'est quoi? C'est l'outil sur lequel nous sommes en train de travailler présentement. Oui. Donc, je sais que la personne qui va m'appeler, qui se trouve à Garoua, à Gaoundéré, à Yaoundé, à Bétoua, à Bafsam, quel que soit là où il se trouve, même si c'est en Europe, j'ai des élèves en Allemagne, en Europe, en France. Donc, même s'il se trouve où, je peux distribuer mon produit par quel moyen? Par le moyen du digital. Tu vois? Oui, Donc, il est oui. important au préalable de savoir comment tu vas faire pour rendre le produit disponible à la personne qui va t'appeler. Parce que si je n'avais pas, par exemple, établi ce canal de distribution, tu allais me contacter comme tu allais me contacter, j'allais te dire, je suis situé à Douala, tu allais me donner une seule réponse. Je suis à Oui. Yaoundé, alors il n'y a pas moyen. Voilà. Et la conséquence directe de ça, c'est quoi? En termes de Je chiffre vais d'affaires. annuler le contrat. Et mon portefeuille sous va souffrir, non? Tout à fait. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Il est important de respecter ces quatre piliers parce que quand tu les respectes, tu réponds favorablement à la demande. OK. Voilà, on peut continuer. Oui. OK. Découvrez l'écosystème du marketing digital. C'est ça, ou bien? Oui, c'est ça, grand 3. OK. Maintenant que vous savez ce qu'est le marketing, ça va être beaucoup plus facile pour vous de comprendre ce qu'est le marketing digital. Après tout, c'est pour tout ça que vous suivez ce cours, n'est-ce pas? Au vu de ce que vous venez d'apprendre, comment définiriez-vous le marketing digital? Le marketing digital prête à confusion. D'après l'Académie française, il désigne ce qui se rapporte au doigt, exemple, empreinte digitale. Mais il y a un piège. En plus d'être un anglicisme, le mot digital peut être un faux ami selon le contexte. En fait, de ce contexte digital est un synonyme de numérique au sens informatique. Donc, pour faire simple, on peut dire que si vos actions marketing passent par un écran, alors vous faites du marketing digital. Sont donc concernées toutes les actions marketing sur ordinateur, tablette, smartphone, objets connectés et même les télévisions. Voilà. Ici, on te présente parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure à l'entente. On te dit, si on te dit que tu fais le marketing digital, pourquoi on a fini par avoir cette appellation? Justement parce que toute action que nous mettons sur pied, les promotions qu'on s'apprête à mettre sur pied pour promouvoir des produits, on les fait par toute la conséquence. Donc, le retour de tous ces travaux se résume à travers un écran. Un écran qui est naturellement piloté par un doigt qui est également qui héberge des empreintes digitales. Donc, si tu utilises un doigt à empreinte digitale pour manipuler un écran afin de contacter une entreprise pour un produit, alors tu fais du marketing digital. Allô? 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 Ok, c'est bon, je suis en train de démarrer et activer ton micro. OK. Voilà, donc je disais ceci, comme on a dit plus haut, si nous faisons du marketing digital, à travers un ordinateur, une tablette, un smartphone, tout objet connecté, une télévision, tout objet connecté. Si l'action que nous mettons en place se fait à travers un écran et que nous utilisons notre doigt pour faire manipuler cet objet, ce doigt qui porte des empreintes digitales et qu'on va utiliser ce doigt empreinte digitale pour manipuler un écran, un téléphone portable pour toute action marketing,
conséquences directes, nous faisons du marketing digital. C'est donc, comme j'expliquais plus haut, la raison pour laquelle cette appellation a été officiellement arrêtée par les instances, pour qu'on ne soit plus dans la confusion. Parce qu'en étant en disant que nous faisons du marketing en ligne, c'était limité. Du marketing numérique, c'était limité. Du web marketing, c'était limité. Parce que théoriquement, ce n'est pas vraiment ça, mais dans la pratique, on peut dire que c'est la même chose. Parce que ça renvoie à travailler sur Internet. Mais théoriquement, on ne saurait vraiment adapter et confirmer que ce soit vrai. Donc, je crois que cette partie est facilement appréhendable parce qu'on en a parlé plus haut. Oui. Voilà, donc. Utilisez la terminologie adaptée à votre activité. Si vous commencez à explorer ce domaine, vous posez peut-être la question suivante. Les termes marketing digital, web marketing et marketing et presque. En théorie, il y a bien une subtilité. Alors que le marketing digital désigne l'ensemble des actions marketing par un ou plusieurs canaux numériques, tout écran confondu, le web marketing et le marketing en ligne se limitent tous les deux aux actions marketing faites par le biais d'Internet. Or, tous les écrans ne sont pas connectés à Internet. C'est donc là qu'est toute la nuance. En revanche, en pratique, les trois termes s'utilisent de manière interchangeable. Je ne peux que vous recommander d'être précis dans le choix de vos mots. Cela dit, si vous communiquez avec quelqu'un pour qui le terme marketing sur Internet est plus explicite que marketing digital, je vous invite à choisir la simplicité plutôt que la précision. En résumé, marketing digital égale marketing en ligne plus marketing hors ligne sur écran. OK. Procurez les sous-domaines du marketing digital. Oui, on Je continue. continue. Oui. Vous vous souvenez du premier chapitre lorsque je vous disais que le marketing digital est un sous-domaine du marketing. Eh bien, figurez-vous que le marketing digital est un domaine très vaste. Et à ce titre, il a lui-même de nombreux sous-domaines. Voici quelques-uns des plus connus. Publicité en ligne, community management et e-reputation, traffic management et web analytics, marketing de contenu et copywriting, social media management, branding, référencement naturel et payant, email marketing, affiliation marketing, marketing mobile, marketing d'influence, etc. Avant la fin de ce cours, vous saurez même en quoi consistent les principaux d'entre eux. Au fur et à mesure de vos formations et de vos expériences dans le marketing digital, vous monterez en compétences sur ces sous-domaines et peut-être même que vous vous spécialiserez dans l'un d'entre eux, mais chaque chose a son temps. Que vous ayez un point de vente physique, brick and mortar, en ligne ou les deux, que vous ayez un budget ou non, il existera toujours une solution digitale pour développer votre activité. C'est ce qui fait la puissance, mais aussi toute la difficulté du métier du marketeur digital. La boîte à outils est tellement bien remplie qu'il faut savoir judicieusement sélectionner ces outils ou ces ingrédients pour reprendre l'analogie de la recette du chapitre précédent. Voilà, on va conclure avec cette partie pour aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as des incompréhensions. Sinon, tu les poses. Si oui, autant pour moi, tu les poses. OK. Je voudrais savoir exactement. Bon, je sais peut-être qu'on n'a pas encore terminé, mais je voudrais savoir comment est-ce que ça se fait concrètement, donc dans la pratique. Oui. Comment est-ce qu'on élabore une stratégie marketing, de marketing digital pratique, concrètement? Justement, comme tu l'as dit, tu vas découvrir cette partie dans la pratique.
Parce que ça sera mieux compréhensible quand toi-même tu vas exercer ce travail. Donc, ça revient d'un sujet. Ah, d'accord. On va arriver à ce niveau. On est encore en train de dérouler le support. Donc, tout ce que tu dois savoir en tant que web marketiste, n'est-ce pas? Voilà ce que tu Oui. attends. Si tu es web marketiste, il faudrait que tu saches que tu dois pouvoir faire de la publicité en ligne, premièrement. N'est-ce pas? Tu dois Oui. pouvoir. Ça veut dire que, parce que là, pour le moment, nous sommes en train de faire une formation en marketing digital. Si après ça, tu souhaiterais entrer plus loin, tu vas également souscrire pour une formation en community management et réputation. Donc, tu dois pouvoir faire de la publicité en ligne, tu dois pouvoir faire du community management et la e-réputation, tu dois pouvoir générer des traffic management et des web analytics, tu dois pouvoir faire du marketing de contenu, du copywriting. Comme je disais tout à l'heure, quand je présentais un peu le décor de ce qu'on va faire, je te faisais savoir que tu dois être capable de concevoir des contenus. Quand tu vas finir cette formation, tu vas comprendre que, en réalité, aller sur Facebook faire ce que quelqu'un filme avec un téléphone et balance sur Facebook n'a rien à voir avec ce que le domaine d'activité. Donc, tu dois faire du marketing de contenu, des copywriting, tu dois faire du social media management, tu dois faire des branding, tu dois faire du référencement naturel ou du payant. On va rentrer en profondeur plus bas. Tu dois faire du emailing marketing. Ça veut dire tu dois pouvoir être capable de générer des emails automatiques à des personnes dans un contexte marketing. Tu sais, je pense que de temps en temps, tu es souvent connecté à ton email. Des entreprises comme MTN te font de la publicité par email, non? Oui. Voilà, c'est ça le email marketing. Tu dois être capable de faire ça. Tu dois faire de l'affilié, du marketing mobile, l'influence marketing, etc. Donc, le champ est vaste et l'aventure est très belle. Voilà. Donc, on va arrêter pour ce matin avec ce qu'on a déroulé aujourd'hui. Je pense que ça a été intéressant. Oui. Oui. Tu vas reparcourir fondamentalement tout ce qu'on a fait jusqu'ici et on se prend à demain. D'accord, prof. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Melo, patience. Donc, passe donc une bonne journée. Meilleur à vous. Vous en prie, bye. OK.